Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture vidéo de courrier et je vous ferai un petit blabla après. Bah, je vais vous passer sur mes mains. Hop. Alors, j'ai reçu une lettre de Christelle. Ouais, je vais vous la mettre comme ça. De Christelle hier dans ma boîte aux lettres, elle m'avait envoyé un texto, enfin un message sur Messenger pour me dire qu'elle m'enverrait une lettre. Enfin, qu'elle m'enverra un petit courrier, donc voilà. Ouais, il n'y a pas d'information. J'ai déjà découvert hier, en fait. Et là, on est le 3 novembre, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que vous aurez la vidéo, parce que je n'ai pas Internet. Du coup, pour les téléchargements YouTube, c'est un peu compliqué. Enfin, normalement, demain, je dois aller en course, donc je vous la ferai charger à ce moment-là, quand je serai à l'extérieur avec la 4G. Mais sinon, voilà, ça fait depuis mercredi qu'on n'a plus d'Internet et on n'arrive pas à joindre le service. C'est génial. Bon. Bon, aparté fini, on en discutera après. Donc voilà. Donc elle m'a fait une belle carte qui était dans une pochette plastique. Comme ça, elle m'avait dit qu'elle m'enverrait des choses pour faire des bijoux. Je vais vous montrer après. Donc la carte elle est super belle avec les demi-perles comme ça. La gorgeousse, j'adore. Avec le for you, la petite étiquette for you et les deux petits rubans comme ça. C'est super sympa. Et donc c'est du papier Santoro aussi, le papier de fond. Il a des petits pois. Ouais, vous voyez. Donc voilà. Donc oui, c'est écrit ce scrap. Je ne sais pas quels réseaux sociaux tu as. Tu nous rediras si jamais et je remettrai en barre d'infos. Donc ben merci à vous de me suivre parce qu'elle me dit un grand merci pour mes vidéos. Mais voilà, je vous remercie vous parce que si vous ne me suiviez pas, ben, je ne ferais plus de vidéos. Donc voilà. Apparemment, je pense que, enfin, je vois que les retours des vidéos bijoux ben, ont l'air de vous plaire. Donc voilà. Donc ici, j'ai un sachet avec des grosses perles de... Alors... Je vais essayer de vous ouvrir les choses. Je suis désolé pour le bruit, mais vous verrez mieux. J'ai des grosses perles comme ça qui sont toutes travaillées avec des dessins, comme j'adore. Hop là. Ça va être un peu bruyant. Ouais, j'aurais peut-être dû ouvrir les sachets avant. Alors, je vous baisse encore. Ah, un petit peu, mais pas trop. Je sais pas si vous allez voir. Donc là, on a des fleurs dessinées comme ceci sur les perles. Ici, elles sont rouges. Ouais, on les voit. Elles sont juste trop belles. Donc ça fait tout le tour de la perle. Hop. Je suis désolé, c'est pas évident à filmer. Ici, on a une autre fleur rose. Bah, c'est une rose, justement. Rose et marron. C'est juste trop chouette avec les petites tiges comme ça. Ici, on en a une dans les bleus. Alors, attendez que je... Hop. Comme ceci. C'est compliqué. Il faudrait qu'il fasse le focus sur la perle. On y arrive, hop, voilà. Alors, les bleus, il y en a plusieurs, donc je vous en ai montré une, je ne vais pas vous les montrer toutes, hein, parce que c'est un peu, enfin, c'est un peu la galère. Les roses, pareil, j'en ai trois, les rouges, j'en ai deux, enfin voilà, il y en a plusieurs de chaque. Et là, j'en ai des violettes. Alors, attendez, j'ai deux sortes de violettes, je vais vous montrer deux sortes, hop, je mets les autres là. Donc, on en a des violettes et bleues, alors, comme ceci, est-ce que vous voyez? Ouais. Voilà. Et ici, on en a une violette, toute violette. En plus, on a un reflet, c'est génial. Donc, bah, merci beaucoup. Franchement, quand j'ai ouvert, j'étais, voilà, j'étais ravi, ravi, ravi. En plus, on n'a pas passé une très bonne semaine, donc ça met de la joie dans le cœur, on va dire. Voilà. Ici on a des cordons cuir comme ceci. Alors pareil, je vais tout vous sortir, c'est pas grave, je rerangerai tout après. De toute façon, j'ai sorti mes boîtes à bijoux, je vais y reranger directement dans les boîtes à bijoux. On a des lanières cuir déjà montées comme ceci pour faire des colliers en fait. Donc c'est des lanières de cuir noir. En plus, ça c'est super pratique. Enfin, moi j'achète des cordelettes, je remets chaque petite pièce, tatati tatata, là c'est tout fait. Pour les bracelets, on a encore ici. Enfin, pour la fabrication des bracelets. On a encore ici des chaînettes comme ceci. Alors attendez, parce que j'en ai une qui s'est emmêlée avec l'autre. Hop. Donc là, on a trois chaînettes comme ceci, très fines dans les couleurs argentées. C'est juste trop chouette, quoi, voilà. Donc pareil, là, elles sont toutes montées avec les fermoirs, tout. Je ne sais pas où tu trouves les chaînettes comme ça montées, mais c'est super pratique. Alors attendez, je vais essayer de trier un peu. On en a encore en dessous. Ici, alors j'ai tout un tas de colliers comme ça.
C'est des rate-coups en fait qui sont pareils, déjà faits. Donc il y en a des blancs, des gris, des noirs, des roses clairs, des roses foncées, avec le fermoir, voilà. Donc ça fait des petits des anneaux comme ça, et en fait ça c'est pour faire des enfin des rate-coups ou des colliers, quoi. Donc là c'est pareil, je vais pouvoir m'éclater, franchement, merci beaucoup. Il doit y en avoir au moins une vingtaine, quoi. Les roses, il y en a des roses claires et des roses assez peps comme ça. Ceux-là, je vais en faire un aux filles chacune, je pense. Enfin, à moins que Lilo elle veut pas rose, je lui ferai gris, mais je pense que Lola et Lucie déjà elles voudront rose, donc voilà. Et si j'ai le temps, j'en ferai un pour ma nièce, qui sera aussi ravie. Ensuite, toujours dans les chaînettes pour faire des colliers ou voilà. Hop, je vais essayer de vous faire un peu dans l'ordre. Ici, on a des chaînettes pareilles, argentées, avec des maillons. Voilà, avec des mailles comme ça. Pareil sur les fermoirs et sur des petites attaches comme ça. C'est pour ça que je te demande où est-ce que tu les trouves, parce que j'aimerais bien savoir où est-ce que tu achètes les chaînettes toutes faites. Comme ça, c'est super sympa. Et franchement, quand tu fais du bijou, c'est un gain de temps ben, précieux, quoi. Ensuite, ici, on a deux petites. Alors, c'est des. Bon, je vais dire, c'est pour faire des colliers. C'est des perles ajourées. Alors, j'essaie de vous montrer comme ça. C'est des perles ajourées. À l'intérieur, il y a des petites perles blanches dans celle-ci. Donc, voilà, avec le gros. Enfin, l'anneau. Et on n'a plus qu'à le mettre sur un collier. Franchement, c'est trop chouette. Ici, pareil, mais avec. Une rouge à l'intérieur. Donc celui-là, je pense que je sais ce que je vais en faire. Hop, je vais le mettre là. Ensuite, ça, je n'ouvrirai pas. Du coup, je vais vous le montrer comme ça. Enfin, je vais peut-être vous en sortir une, mais je vais pas tout sortir. C'est les collerettes pour mettre sur les. Comment dire? Pour mettre sur les perles, vous savez, j'ai fait les poupées par exemple avec ces petites collerettes comme ça, mais celles-ci elles sont presque plates et elles sont toutes petites, petites. Je ne sais même pas si je vais arriver à vous les montrer. Voilà, tout ajouré comme ça, je vais vous les montrer dans le sachet, ça sera peut-être un peu plus pratique. Donc là, c'est pareil, on a tout plein, donc ben, merci beaucoup. Vraiment, voilà quoi. J'ai fait quoi? Ouais, j'ai fait le col et puis la robe de la petite, des petites poupées la dernière fois avec. Dans les aides aux bijoux, on va dire, voilà, pour fabriquer les bijoux. Ici, on a des bagues. Alors, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas le bruit, mais là, ça va être l'horreur pour toute la vidéo. En même temps, j'ai pas tout sorti avant. Donc, on a des bagues comme ça, qui sont réglables à l'arrière. Comme ceci. Et donc, voilà. À l'avant, on a un plat. On peut y coller des strass ou voilà, une création en fimo. Voilà. Donc ben merci, merci, merci. Et encore merci. C'est voilà, c'est énorme. Alors ici, on a des boucles d'oreilles, je pense. Pour faire des cabochons, en fait. Et ça, c'est tout des choses. Alors, les bagues, je ne pense pas que j'en avais. Les boucles d'oreilles comme ça, je n'en avais pas. Vous allez voir, c'est vraiment des choses que j'avais pas forcément. Voilà. Ouais, c'est des boucles d'oreilles. Alors, attendez, hop. Bon, on va prendre celle-ci. C'est des boucles d'oreilles avec un système de fermoir comme ça à l'arrière. Et devant, on a pour faire ben, un cabochon ou une petite perle en résine ou voilà. Donc ben, je vous dis, j'ai déjà plein d'idées en fait. Hein. Quand j'ai vu le courrier hier, j'avais déjà des idées. Donc voilà. Il faut aussi que je termine les vidéos en collaboration avec Pandal. Donc je vais encore vous faire des bijoux de toute façon. Hein. Ici, on a plein de petits charmes pareils qui sont accrochés sur des perles. Alors attendez, hop, je vais me mettre de l'autre côté après puisque je voudrais pas. Alors ici on a des petits cœurs comme ceci en format pierre, on va dire, voilà. Pareil sur un tout monté en fait. Avec le charme, hop, la grosse perle et le charme cœur. Alors ensuite on en a le même en rouge. On va essayer de faire comme ça. Peut-être que vous allez voir, je ne sais pas. Celui-là en rouge et on en a un en marron, comme ça. Pareil, c'est trop chouette, quoi. Ici, on a des petites libellules. Pareil, elles sont toutes montées sur les grosses perles. Et les grosses perles, là, elles sont toutes travaillées. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais vous mettre comme ceci. Hop. Et les libellules, elles sont toutes travaillées. Voilà. Hop. Et là, c'est tout travaillé, les grosses perles et tout. Puis c'est tout monté, quoi. Enfin, c'est un gain de temps énorme. Et ici, on a des petites tortues trop rigolotes. J'adore les tortues. Enfin, je trouve que c'est un animal paisible. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, ben, merci.
Merci beaucoup. Alors ensuite, on a plutôt, enfin, c'est plutôt des perles ou des séparateurs de perles. Ils appellent ça des séparateurs de perles, je crois, les métalliques comme ça. Je vais peut-être pas tout sortir non plus. Je sais pas trop. Hop. Alors attendez, hop. On va essayer. Voilà, je vais pas perdre de choses. Alors. Pareil, ici ils appellent ça normalement, je crois que c'est les séparateurs de perles. C'est des perles métalliques comme ça qui sont toutes travaillées. Donc celle-ci elle est ronde, on dirait qu'il y a des incrustations de petites pierres dedans. Ouais, vous voyez un peu. Celle-ci elle a des petits cœurs. Non mais c'est vraiment la cata avec le... J'essaie de vous remonter un tout petit peu. Celle-ci on a des petites fleurs comme ça. Ouais, là vous voyez la fleur. Ensuite, on a des petits cœurs comme ceci, des perles plus simples, on va dire. En plus, elles sont lourdes, les perles. Hein, c'est... Voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ici, on a un petit trèfle comme ceci. Hop, toujours en perles, hein, avec les trous. Ici, on a une grappe de raisin. Alors ça, c'est énorme, j'en ai jamais vu. Franchement, c'est trop chouette. Comme ceci. Une deuxième grappe de raisin. Celle-ci, elle est toute ornée de petites strass. Voilà. Celle-ci, pareil, on dirait une petite couronne avec des petites... avec du bleu au milieu. Alors, attendez. Oh là là. Je suis désolée. Pour vous filmer ça, c'est un peu pas pratique. Et puis, je vais pas faire le focus, je crois. Si je vous le mets comme ça, vous le verrez mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite tête de chat trop rigolote. Alors celle-ci, je pense qu'il y en a une, si elle la voit, ben, elle va me la piquer, évidemment. C'est Lilou, parce qu'elle adore tout ce qui est félin. Ici, on a la couronne de princesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits cœurs. Alors attendez, j'attrape le cœur. Oh, trop beau. Un bélier. Je découvre en même temps que vous, parce que ça, j'ai pas ouvert tous les sachets, en fait, hier. Donc ici, on a un petit cœur comme ceci. Ici, on a le petit bélier. Hop là. Et c'est toujours en perles. Hein. Alors... Ouais, d'accord. Enfin voilà, il y en a plein. Ici on a une petite une couronne. Alors je sais pas si vous allez la voir. Comme ceci, on a un sens. Enfin voilà, il y en a plein, plein, plein. Enfin en tout cas, merci beaucoup vraiment. On a même un petit chien. On a même un petit chien, mais je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Ça m'agace. Youhou. Bon, je crois qu'on fera pas mieux, hein. Désolé, mais voilà. Ici, on a plein de toutes petites perles qui sont décorées de rose, et c'est pareil, elles sont trop belles. Alors, on a tout un tas de couleurs, orange, jaune, blanc, vert, voilà. Je vais vous montrer comme ça, et je vais pas les sortir du sachet. Et donc là, sur, enfin, en or, les reflets or que vous voyez, c'est des petites roses qui sont dessinées dessus, mais je pense pas que je pourrais vous montrer, vu la qualité du... de la caméra là tout de suite, voilà. Ici on a encore des, enfin on appelle ça des séparateurs de perles, mais c'est pour mettre entre les perles parfois dans certains bijoux, voilà. Ça fait comme des petits ornements de bijoux, enfin je sais pas comment, voilà, comme ceci, donc en forme un peu de, enfin pas de rouage, mais je sais pas comment, voilà, hop. Ça c'est pareil, je vais pas ouvrir. Ici, on a plein de perles, pareil, qui sont trop belles. On dirait qu'elles sont un peu marbrées et elles ont des nuances nacrées. Donc, pareil, rose, violet, vert, jaune, voilà, c'est juste trop chouette, quoi. Bah, franchement, il y a de quoi s'éclater. Hein. Mille merci, franchement, voilà. Christelle, merci, merci, merci. C'est juste trop, trop, trop génial. Et ici, on a des perles.
Alors, hop. On a des grosses perles. Et pareil, celles-ci, elles sont toutes travaillées. Je vais essayer de vous en sortir quelques-unes. Je vais peut-être pas tout vous montrer non plus. Je sais pas. On verra ce que j'arrive à faire. S'il me fait le focus ou pas. Hop là. Alors, par exemple, on a celle-ci qui est dans les tons violets. Alors, hop. Voilà, qui est juste trop belle. On dirait que c'est des milliers de diamants, enfin, de pierres précieuses collées les uns dans les autres, avec des bords argentés comme ça. Elles sont trop belles, celles-ci. On a eu une comme ça. Alors, celle-ci, elle est belle aussi, j'aime bien. Elle est violet, rose, bleu, comme ça. On dirait qu'elle a été colorisée avec de l'encre à spray, quoi. Un peu comme on ferait de la patouille pour le scrap. On a celle-ci qui est verte et qui est très belle aussi. Hop. Je ne sais pas si vous allez voir. Pareil avec le petit bord argenté. La violette, on en a une deuxième. Ici, on en a une rose. Alors celle-ci, j'adore. Franchement, il y a des roses. On dirait des perles en vert avec des roses. Voilà, à l'intérieur, là, vous voyez, c'est trop beau, quoi. Et le trait, et il y a plusieurs roses tout autour de la perle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, il y en a des couleurs. Comment dire? Bah, celle-ci, elle est rose. Toute simple quoi, enfin voilà, et juste d'une couleur. On en a une blanche comme ça, transparente. On en a une bleue transparente, mais celle-ci on dirait qu'elle est lignée. Voilà, ensuite on en a une bleue à facettes comme ça. Ici on en a des rouges pareil que les violettes, là on dirait qu'elles ont des diamants tout le tour, c'est juste trop chouette. Alors attendez, hop, que ça se sauve pas la blanche, on a vu sa copine. Ici, on en a une marron avec des petites incrustations un peu bleues comme ça. C'est joli aussi. Ici, on en a une rouge, blanche et noire. Alors ça, c'est trop chouette avec du orange et tout. C'est trop chouette. J'adore ce genre de truc. Voilà. Ici, on en a une noire comme ceci. Ici, on a une violette, pareil, effet facette, quoi, avec les... Ici, on a une bleue, pareil, avec une rose, trop belle, enfin, avec une petite fleur dedans. Trop belle, elle a une autre fleur de l'autre côté. Ça, c'est juste trop chouette. Ah, la rouge et orange et tout, que j'aime bien, il y en a une deuxième. Celle-ci, la verte, pareil. Alors, celle-ci, elle est tout en métal et elle est ajourée, en fait. Là, vous voyez le trait, là, bah, c'est ajouré, en fait. Vous voyez, je peux y passer l'ongle. Ici, on en a une bleue avec des éclats blancs à l'intérieur. Pareil, trop chouette, quoi. C'est vraiment joli. Elles sont vraiment jolies, tes perles. Franchement, c'est super sympa, quoi. Merci, merci, merci. Hein. Vraiment, merci, mille fois, quoi. Celle-ci, elle est jaune avec des éclats d'or à l'intérieur. Pareil, c'est trop chouette, quoi. Et ensuite, à nouveau, une noire... Alors, attendez. Que je ne perde rien. C'est bon, ça tient. À nouveau, une noire comme ceci, là, avec les traits, toutes striées comme ça. Donc, bah, merci mille fois, Christelle. Franchement, merci du fond du cœur. C'est juste topissime. Voilà, merci, merci, merci. Merci beaucoup. Là, je vais tout ranger. J'ai tout sorti mes boîtes. Elles sont à côté. Je vais tout ranger. Je sais pas si je vais pas faire... Bah, je pense que je vais faire une boîte exprès pour les perles. Après, les colliers, les bagues, les choses comme ça, les après, je les range chacun dans leur boîte. Je vais vous montrer un peu rapidement ce que j'ai comme système de rangement. Enfin, voilà. Alors, hop. Ouais, si j'y arrive sans tout faire tomber, ça sera bien. Hop là. Donc ici, j'ai une grosse boîte comme ça, avec un couvercle comme ça sur le dessus et une poignée. Ça, c'est de l'époque où je faisais les bijoux. Voilà. Il y a très longtemps, avant d'avoir les filles, je travaillais en centre de loisirs. Et en fait, entre les cantines, le centre de loisirs et tout, j'avais des temps libres. Du coup, je fabriquais les bijoux que j'allais vendre après. Et ici, voilà, il y a, à l'intérieur, ça s'ouvre. Et donc, il y a plusieurs petites boîtes comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer rapidement. Et donc, c'est ce que je vous disais. Ben, là, j'essaye de ranger un peu voilà, les choses selon à quoi elles servent. Donc là, c'est tout ce qui est les barrettes. Enfin, c'est les choses un peu plus particulières qu'on ne se sert pas forcément. On m'avait envoyé ça. Je voulais faire des colliers pour les filles. Ben voilà, je les ai mis de côté dans cette boîte. Ici, j'ai des barrettes pour faire des barrettes comme ceci.
Ici, j'ai des autres barrettes comme ceci. Voilà. D'ailleurs, j'en ai d'autres qu'il faut que je range aussi, que je rangerai en même temps. J'achète aussi des barrettes comme ça. Je vais vous montrer tant que j'y suis. Ben, comme ceci, toute simple. Ou bien comme ceci, là, les pinces. Et du coup, je les décore pour les filles. Donc, je les mets dans mes boîtes à bijoux. Et généralement, après, quand j'ai un peu de temps, ben, je leur fais des barrettes. Hop. Donc voilà, après là, ben, c'est pareil, ben, là j'ai des perles, voilà, ça c'est les perles, là, c'est comme celles qu'elle m'a envoyées Christelle, quoi, qu'on trouve pas partout, voilà. J'ai des perles comme ceci, la ronde que je vous ai fait voir pour le collier à Lucie, comme ça, là j'en ai encore en jaune et orange, voilà. Voili voilou, j'ai des perles comme ça, je sais pas si vous allez voir, enfin voilà, j'ai tout un tas de perles. Et en bas, j'en ai, enfin, il y a trois casiers. La quatrième boîte a cassé, mais bon, ça a plus de... Ça a 12 ans, donc voilà. Hein, au bout d'un moment, ça s'use. Moi, ça doit avoir 11 ou 12 ans, donc voilà. Donc voilà, et après, je range tout dans des boîtes de chez notre ami. Comme ceci, voilà, dans des petites boîtes. Et là, des boîtes, j'en ai 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... J'ai 14 boîtes. J'ai 14 boîtes et dans les 14 boîtes, j'ai aussi les boîtes de perles comme ceci qu'on achète toutes prêtes. Et aussi celle-ci. Donc voilà. Donc bah Christelle, merci, merci beaucoup. Donc je vais juste vous faire un petit blabla rapide. Enfin rapide, je vais essayer d'être rapide, mais je crois pas que c'est gagné. On a. Alors, cette semaine, j'ai pas beaucoup fait de vidéos ou de photos. On a Lilou qui a des petits soucis de santé, donc voilà. Elle va avoir un petit appareil pour suivre les battements de son cœur le 14 et le 15 novembre parce qu'elle a des palpitations mais on ne sait pas de quoi ça vient. Quand on a fait les examens à l'hôpital, elle n'avait pas de palpitations à ce moment-là. On était deux fois à l'hôpital, deux soirs de suite, enfin voilà. Sauf que comme elle n'a pas les palpitations au moment où on est sur place, eh ben, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe quand elle a les palpitations. Et quand elle n'a pas de palpitations, son cœur va bien. Donc c'est déjà un peu rassurant. Après, ça fait quand même peur parce que voilà, c'est le cœur, donc c'est moi, ça me stresse beaucoup. Comme je vous disais, en ce moment, on n'a pas internet, je ne sais pas quand est-ce que ça reviendra, mais là, c'est problématique parce que depuis mercredi, on n'a pas internet, on n'arrive pas à se joindre Free, je ne suis pas contente. D'habitude, quand on a un problème avec Free, il faut savoir qu'on appelle, on crée un ticket d'incidence ou on va sur internet. Généralement, sous 48 heures maxi, hein, c'est réglé. Là, ça fait depuis mercredi que c'est pas réglé, donc je pense qu'il y a un truc... qui a dû casser une pièce dans un, dans un poteau, dans un générateur, dans un boîtier ou je ne sais quoi. Mais à mon avis, on ne doit pas être les seuls. Donc voilà. Mais bon, c'est un peu problématique. Ludo va partir pendant 2 semaines. Donc les 2 prochaines semaines, je serai toute seule avec les filles parce qu'il part en déplacement sur Toulouse. S'il vous plaît, croisez les doigts avec moi pourvu qu'il nous trouve un logement autre que l'appartement qu'on aura si on déménage comme ça au mois de décembre. J'aimerais bien qu'il nous trouve une maison en fait. Voilà. Tout bêtement, parce que nous, on aime bien être un peu au vert quand même, quoi. Là, c'est un appartement en plein centre-ville de Toulouse. Bon, s'il faut y aller, on ira. Hein, mais bon, s'il peut nous trouver une maison un peu plus à la campagne, on sera mieux. Après, on fera avec ce qu'on aura, on va dire comme ça. Sachant qu'il faut qu'on parte, enfin que je veux partir très rapidement. Parce que voilà, la famille. Bah là où j'habite en fait c'est avec mon père, mes demi-frères, machin, mais là je sature vraiment, donc je peux plus me les blairer en vrai, voilà. Hein. C'est. Voilà. Je sature. Donc je veux déménager au plus vite. Donc normalement au mois de décembre. Et j'espère que Ludo va nous trouver quelque chose. Et puis s'il nous trouve rien, bah, on prendra l'appart qu'on a en attendant. Et après on trouvera autre chose une fois qu'on sera sur place, où on pourra faire les visites tranquilles avec les filles, tout ça. Donc voilà, ben je vous souhaite ben une bonne reprise d'école pour ceux qui reprennent l'école, parce que vous aurez la vidéo lundi 4, donc moi les filles elles reprennent l'école aujourd'hui. Enfin le 4 quoi, enfin demain du coup. Et je vous dis une bonne semaine à tous et je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt, au revoir.